Le projet ETIX est une expérimentation innovante menée sur la région Bourgogne-Franche-Comté qui signifie territoire innovant coordonné santé sociale. Il a pour vocation d'améliorer la coordination des parcours de santé des habitants de notre région, et ce jusqu'à fin 2017. L'objectif étant à terme de mettre en place ces nouvelles organisations innovantes au service des patients et des professionnels de santé. Alors en fait, il y a des enjeux majeurs qui se présentent à nous à l'avenir sur le vieillissement de la population, sur les maladies chroniques qui vont être de plus en plus prégnantes, et puis ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est la transformation des hôpitaux pour finalement se préparer à des enjeux d'avenir sur les prises en charge et puis que finalement les patients puissent retourner à domicile peut-être un petit peu plus facilement, qu'ils soient mieux pris en charge dans ce nouveau cadre. On a également des enjeux pour mieux coordonner les acteurs sur ces parcours quand on sort de l'hôpital, quand on va y rentrer, quand on va dans un EHPAD. Il y a un lien finalement à faire avec tous ces acteurs de santé, et notamment avec les professionnels libéraux, les médecins généralistes notamment, qui ont un rôle essentiel, central dans le dispositif. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes, des organisations qui vont fluidifier ces parcours entre la ville et l'hôpital, entre le médico-social, voire le social, puisqu'on travaille aussi avec le conseil départemental de Saône-et-Loire. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse finalement avoir un meilleur partage d'informations, une meilleure coordination des acteurs pour dire finalement il y a une entrée à l'hôpital qui va être anticipée, et on va aussi travailler sur une meilleure organisation de la sortie, mieux préparer la sortie. Alors l'idée, c'est quand même de commencer sur cette expérimentation avec des situations plutôt complexes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 à 10% des hospitalisations qui sont dites complexes. Plusieurs pathologies peut-être, des personnes qui peuvent être âgées, et puis une dimension sociale qui peut être compliquée, voire même des problèmes en santé mentale. Et là, en fait, on est face à des situations où on a besoin finalement un petit peu plus d'aide, d'organiser les choses. Et donc c'est là qu'on va venir soutenir ces démarches-là. Il faut aussi savoir qu'il peut y avoir jusqu'à 30 acteurs autour d'un patient. Et donc là, on voit bien que quelquefois la coordination se fait, mais là, le fait de soutenir la mise en œuvre de ces coordinations va amener finalement une valeur ajoutée pour les usagers et pour les professionnels de santé. Menée dans le cadre du programme Territoire de soins numériques, cette expérimentation est pour l'instant testée en Orsonne-et-Loire. C'est notamment grâce à ce type de projet que le numérique, au service de notre système de santé et de ses usagers, prend tout son sens en favorisant le partage d'informations et en développant des utilisations de technologies jusqu'alors peu connues du grand public. Le tout en garantissant la sécurité des informations transmises. Alors concrètement, en fait, il va y avoir un partage d'informations entre des données qui peuvent être à l'hôpital et puis des données qui vont être dans les cabinets libéraux, dans les pharmacies, dans les EHPAD. Et on va essayer de partager un petit peu mieux finalement cette information entre tous ces acteurs. On va essayer également d'organiser finalement les interventions à domicile. Et ça peut se traduire par exemple par des agendas de patients qui vont être mis à disposition, qui vont être accessibles aux infirmières libérales, des aides à domicile, voire même aussi les médecins généralistes qui vont avoir besoin de savoir finalement comment leurs patientes ou leurs patients sont pris en charge à domicile. Donc c'est à la fois du partage d'informations qui est relié de manière interopérée avec les systèmes locaux, des agendas. Ça peut être également des systèmes d'organisation pour l'éducation thérapeutique. On peut aussi retrouver des projets dans ETIX sur le maintien à domicile. Donc on va mettre en place des objets connectés de santé qui vont permettre un meilleur suivi à distance des patients. Combler un manque ou répondre à un besoin existant de manière plus efficace, voilà les finalités du projet ETIX. Loin de vouloir se substituer à des modèles informatiques existants, le principe est de fluidifier le partage d'informations, le rendre plus simple et plus facile d'accès. Les professionnels utilisant ces nouveaux systèmes d'information pourront se voir accompagnés ou aidés lors de cas spécifiques par une plateforme territoriale d'appui, une sorte d'assistance téléphonique, afin d'aider à la coordination et à la compréhension de ces nouveaux usages numériques. Alors on pense que la télémédecine peut être un outil aussi au service du projet ETIX. Finalement, la problématique est assez large et on va essayer de répondre à un maximum de problématiques. On va venir quand même aider les professionnels qui sont en fragilité sur ces territoires, justement parce que lorsqu'ils vont avoir leur vingtaine ou 25 consultations dans la journée,
Peut-être qu'il y a un cas particulier qui va être un petit peu plus complexe, comme je vous l'ai dit. Peut-être un début d'Alzheimer pour une personne qui a déjà des pathologies et puis qui a des problèmes sociaux, ou peut-être qu'elle n'a pas forcément la famille à proximité. Là, elle se dit, ben, finalement, je vais avoir un vrai sujet, je vais avoir besoin d'un coup de main. Donc, cette personne qui est en zone fragile, ce médecin ou ce pharmacien va pouvoir faire appel à la plateforme territoriale d'appui pour leur dire, ben, donnez-moi un coup de main, j'en ai besoin aujourd'hui. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.